Yo, je suis actuellement toujours en République tchèque. Ah ouais, et le temps est plus gris que les cheveux de mon daron. Désolé papa, mais là, c'est vraiment pas beau. Enfin. Les coûts de la vie ici en République tchèque, il est moins élevé qu'en France. Et au dernier moment, je me suis dit, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer un truc un peu luxueux en limitant mes frais? Ok Siri, non mais je veux vraiment pas ton avis, hein. Oui, je suis à découvert. Oui, bon bah ça va. Et hier, j'ai trouvé mon appartement de luxe. Appartement de luxe parce que il y a beaucoup trop de services. De 1, c'est un penthouse, donc c'est le dernier étage avec une vue sur toute la ville. Alors accrochez-vous bien, l'appartement en question est noté 9,8 sur Booking, avec 227 expériences vécues. Équipement, propreté, confort, il y a le maximum. J'aurais pas pu allumer ici? Bah ouais, c'est mieux là si j'allume. Désolé, internaute, pour cet éclairage de piètre qualité. On va lire un avis au pif parmi les 227. L'appartement est dans un nouveau concept immeuble avec pizzeria, grocery, sport gym. Donc en fait, apparemment, c'est un immeuble où il y a plein d'appartements et il y a tout qui est dans l'immeuble. Et pourquoi je veux absolument faire cette vidéo? Parce que c'est un appartement de luxe qui m'a coûté 382 euros pour 2 nuits. Alors le truc un peu con, comme c'est fait au dernier moment, c'est que je serai seul. Et je suis le seul humain de France, à louer quelque chose de bien trop grand, tout seul. Bah, il est encore là, mais il va disparaître. Bah non, t'as fait le fou, on s'est embrouillé. Ah non, mais je voulais pas en parler. T'as expliqué ou pas? On avait deux solutions, soit on se battait, soit on... Non, mec, ça sert à rien de montrer ça sur internet. Enfin, je veux dire, ils ont pas à savoir le. Allez, te faire le fou! Bon, ok, la vraie raison, c'est qu'en fait, on s'est embrouillé. C'est monté en pression, puisque bah, hier, voilà, au dernier tournage, on s'est complètement pris la tête. Enfin, moi, j'ai voulu prendre un café Longo, lui voulait prendre un expresso. Et, enfin, voilà. Non, en vrai, je devais rentrer demain, mais j'ai un truc hyper important prévu. Je vais être dans un appartement de luxe pour 6, complètement seul. C'est vrai qu'elle va se dire, il est fou. Elle va se dire, je suis un émirat. Il aime bien la tranquillité. Et du coup, là, je suis en train de parler sur WhatsApp. Du coup, trop bizarre parce que je dis que j'arrive à 14h. Et là, elle me dit, ok, l'adresse de rendez-vous sera parking de Tesco. On dira une pauvre arnaque. Et qu'on dirait un règlement de compte. Ils vont arriver. Ce qui me fait flipper, c'est que c'est très peu cher, 382 euros pour 2 nuits. Non, Pierre, tu t'as fait du kung fu, toi? Non, tu sais, pas de ouf. J'ai fait de la danse. Ah, je suis pas convaincu. Après, c'est la danse, elle était dynamique donc. C'était du rock. Bon, transition bon, genou. Ça marche pas ton truc. Putain, c'est cassé. Hein. Donc là, Léonard est parti. Je vais commander mon Uber et puis je vais y aller sur un putain de parking. Ça fait flipper. Hello. Ok, on est arrivé. Normalement, je vais être tout en haut. Je viens d'arriver dans l'appartement et ça résonne énormément. Un, deux, un, deux. Là, là, là. J'ai une petite carte. Quand on arrive, on est déjà sur un... C'est ce qui s'appelle claquer une porte. Et alors déjà, premier truc qu'on remarque, c'est que c'est vachement bien isolé. On n'entend plus du tout les bruits d'aération. Encore heureux. Et en fait, ça, c'est un petit premier sas. Et l'appartement est juste derrière, on va le découvrir ensemble. Waouh! Alors, l'appartement est exceptionnel. C'est un mur. Non, bon, je sais pas par où commencer. Déjà, qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite porte. Oh, sympa! Ok, il y a une machine à laver et un sèche-linge. Mais c'est qu'il est relou, lui! Montre-nous la pièce de vie! On est sur un loft de qualité. On a une très très belle cuisine. Je suppose que là, c'est des rangements. La vaisselle, une machine à café Nespresso. On a un four. Je l'ai allumé. Un micro-ondes, un frigo. Non, Alex, c'est vraiment en train de nous montrer une cuisine. On s'en fout. Bon allez, j'arrête le suspense. Voici la pièce de vie. Je vais juste fermer. Oh le salaud, il continue le suspense. Déjà par la longueur du rideau, vous êtes en train de vous dire, attends, il est long le rideau là, c'est plus une tringle, c'est un rail de chemin de fer, bordel. Oui, voilà, bon, on recommence. Voici la pièce de vie de l'appartement. Donc ici, on a la cuisine, on a le coin salon multimédia. Et j'ai dit coin multimédia. Dans un appartement comme ça, j'ai instantanément 55 ans. La télé est monstrueusement grande. Alors, quand je vous dis grand, c'est que je fais 1m87. 1m80 de large, la télé. On a ici une petite cheminée. Et là, on a un espace vide afin que cette petite panthère puisse gambader comme il se doit. Comment ça, c'est une statue? Mais très belle statue. On a ici le coin pour manger pour 6 personnes. C'est vachement drôle. Je suis tout seul. Vraiment, je vais manger comme ça. Ça me rappelle finalement le lycée quand j'allais au self et que tous mes amis allaient au kebab. Des bons souvenirs dans cet appartement. En tout cas, la pièce de vie est fort sympathique. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais,
Bande de petits impatients, attendez! Attendez! Ce que je vous ai caché au début avec les rideaux, je voulais vous le montrer à la fin. Car je crois que c'est ça, finalement, le truc le plus stylé de l'appartement. Et c'est pas fini, parce qu'il y a deux chambres, deux salles de bain, et une petite surprise que je vais vous dévoiler ensuite. Actuellement, toujours en train de faire du suspense, ce youtubeur est insupportable! Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour voir la pièce de vie avec son petit supplément? Non seulement on est au 15e étage, mais c'est un penthouse avec une vue panoramique sur toute la ville. Alors, je voulais ouvrir celui qui est là-bas, mais j'ai pas réussi. Oui, bon, voilà, c'est... Voici la terrasse. Voilà, c'était la taille de la terrasse. On peut faire de l'athlétisme. Ah, quand il disait qu'on n'avait pas besoin de sortir de chez soi, je peux faire mon footing sur la terrasse. On en est là. On a un petit salon d'extérieur. Je suis finalement une nouvelle fois un peu le président de la République tchèque. J'ai fait vraiment les deux tours les plus hautes de la ville. J'ai été dormir dans un hôtel à une chambre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. La vue est splendide. En plus, juste en bas de l'immeuble, il y a le plus grand parc de la ville. Bon, ils n'ont pas énormément de personnalité puisqu'il s'appelle Central Park. Bon, après, voilà. Toujours est-il que c'est le plus grand. Il fait tout ça. Il va ici. Il va jusque là-bas. Du coup, pour vous expliquer un peu mieux, le concept de tout l'immeuble, c'est que tu n'as pas besoin de sortir de l'immeuble pour pouvoir faire ta vie. Tu as un salon de beauté, des restaurants, des boulangeries, un casino. J'irai sûrement à la salle de sport, au spa. Bon, allez, on va finir la visite de l'appartement. Alors, par contre, il y a un truc qui me fait peur dans ce genre d'appartement. C'est que j'ai peur qu'il y ait des caméras cachées. Peut-être qu'il y a une caméra là-dedans. Je vous ai à l'œil. Vous allez pas me baiser comme ça. Cette jarre m'a l'air vachement louche. Est-ce qu'il n'y aurait pas une caméra à l'intérieur? Je soupçonne Greg Guillotin d'être derrière cette... Ah, c'est une... Planche à repasser. Je deviens fou, là. Ah, ça va, peut-être qu'en faisant des amis imaginaires, ça va me passer le temps. Jugez pas. Alors, un appartement, c'est bien. Avec des chambres, des salles de bain, c'est mieux. Évidemment. On va commencer par celle-ci, qui est, je pense, une première salle de bain. Et oui, c'est une première salle de bain. On a le nécessaire de toilettes et peut-être un peu beaucoup de serviettes. Ou peut-être juste parce que l'appartement est normalement pour 6 personnes. Ah bah au moins, je vais pas manquer, hein. Par contre, niveau PQ, Bah là, c'est juste, hein. Ouais, je vais poursuivre la visite, hein. Dans le tiroir, il y a un sèche-cheveux et... C'est quoi, ça? Bon bah, il y a même un nécessaire de massage, du coup. Vachement cool. Le test des toilettes, sont-elles propres? Elles sont très propres. On a un bidet pour se laver le fion. On a une clim. Ah, par contre, ça, je vais la baisser, hein. 24-7, c'est beaucoup. C'est plus une salle de bain, c'est un sauna. Et alors, en parlant de sauna, et c'est pas une blague. Je voulais vous le montrer à la fin de la présentation de l'appart, mais je vais rebondir sur ma blague et... En plus d'avoir plein d'infrastructures externes, j'ai un sauna pour moi tout seul. C'est quand même vachement cool d'avoir ça dans son appart, je l'essaierai tout à l'heure. Donc, ici, une deuxième salle de bain. Alors d'ailleurs, complètement gratuit, mais beaucoup plus stylé que la première. Toujours avec des serviettes. Ah, c'est vachement drôle, hein. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'après mon passage, la dame de ménage va se dire... Petite journée. On est sur une douche à l'italienne. On a un autre WC, test des WC. Ok. Ah, très sympa. Et alors, puisque je suis pas con, vous doutez bien que cette pièce-là et cette pièce-là, bah, ce sont des chambres. Terrible. Et j'ai encore une petite télé, un immense lit. Et cette même chambre donne vue sur la terrasse et la ville. Et hop, c'est ma chambre. Hop là, je vous ai tous eu. Fallait être plus rapide. Ah bah c'est con. Je suis tout seul. On va aller voir la dernière chambre. On est bel et bien sur une seconde chambre, un peu plus petite. Mais franchement cool. Bon, après tout, c'est pas ce qui nous intéresse dans ce genre d'appartement. C'est vraiment plus toutes les infrastructures et le lieu de vie. Bah, tout ce qu'on va voir durant cette vidéo. Donc, je vais aller manger. Je vais aller du coup au supermarché qui est dans l'immeuble. Ensuite, oh, il me reste trop de trucs à faire. Quelle vie de roi. C'est normal, je suis président de votre pays, je vous le rappelle. Comment ça, vous voulez me couper la tête? Les cons. Bon, allez. J'ai faim. Shopping center. Ah oui, c'est un vrai centre commercial, d'accord. Une pharmacie. Et en haut, il y a un casino. Et je suis toujours dans l'immeuble, hein. Bon, je vais faire des courses et je vais manger. L'homme qui mange beaucoup trop. Il est 20h53 et j'ai réservé le spa, donc on va aller voir ce que ça vaut. J'y vais vraiment en touriste. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de casiers pour le spa, mais je suis vraiment tout seul. Finalement, c'est plus un spa, c'est un centre commercial. J'ai des transats, encore des transats. Il y a un sauna juste ici, des toilettes et la lumière fut lorsque j'arrive. Excellent, bien vu. Et oh, vous entendez ce bruit? C'est un immense jacuzzi
C'est marrant parce qu'il y a 6 places, comme le nombre de serviettes dans l'appartement. Sauf que... c'est pas fini, hein, si je vais là-bas. Oh, c'est un hammam. Yes. Oh, ça, c'est un bain froid. Oh non, 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 non. Écoutez, je vais essayer de faire un challenge d'aller le plus loin possible au niveau de mon corps dans le bain froid. Je crois qu'il est à 7 degrés. Ok, il y a vraiment des mecs qui vont là-dedans. Oh, c'est lourd. Non, mais là, si j'y mets mes testicules, je les perds. Ça va en servir 2 minutes. Oh, les cuisses. C'est bon, c'est bon. Oh, les Caraïbes. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Là, je tiens le bambou. Je tiens pas le bambou du tout. Je suis Mr. Freeze. Ah, le mec du spa doit me prendre pour un salé. Oh, mais les épaules, c'est le plus dur à mettre. Tant pis. Oh, salaud. On en est à un point où je préfère être en garde à vue qu'être dans ce truc, hein. Ah, quoi qu'on s'y fait au bout d'un moment. Ah, espèce de moins de 10, bah. Bouffon. Allez, on se casse. C'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà, ça fait quand même vachement grand juste pour moi seul. Hein. Allez, je vais faire un petit saut là-dedans. Enfin, un saut. Si je fais un saut là-dedans, potentiellement, je m'explose le crâne. Ouh, on est sur un bain, finalement. Bon, alors, il y a un gros avantage, c'est que je suis pas emmerdé par les autres. Hein. C'est la belle vie, là. Bon, bah, je vais profiter, du coup. J'ai 1 heure devant moi. On se retrouve pour d'autres infrastructures cool. Et je vais essayer de pas me noyer. Ah, ça serait con, hein, parce que là, je suis vraiment seul. Voilà, allez, salut. Bon, le spa c'est fini. Dans la soirée, je décide d'aller au casino qui lui aussi est dans l'immeuble. J'ai perdu tout mon argent. Yes, je me fais voler tout mon pognon. Je rentre du casino et c'est hyper sécurisé. J'ai juste à passer la carte et je peux rentrer. Agréable, cette vue. Bon, après le temps est toujours aussi gris que les cheveux de mon père. Bon, moi je vous ai pas encore tout montré dans l'immeuble. C'est parti pour voir ce que vaut la salle de sport de l'immeuble. Je vais pousser des mécaniques. Ouais. Je viens de rentrer du sport, j'ai mangé et je vais enfin aller essayer le spa. Alors vouloir l'essayer c'est bien, mais comment ça fonctionne? Non, parce que sans grande surprise, comment vous dire que j'ai pas vraiment ça chez moi quoi. Il y a un petit tableau de bord ici. Encore faut-il qu'il fonctionne. Ok, ça marche comme une plaque à induction. Ah, j'ai allumé une lumière. Ici du coup c'est pour... Ok. Donc là, c'est à 28 degrés. Ah non, 74. Ah, mais là, je vais mourir, là. Ok, c'est ça. Bon, bah maintenant, faut sûrement que j'attende qu'il chauffe. Donc, personnellement, je préférerais avoir un jacuzzi qu'un sauna. Après, voilà, c'est une histoire de goût. Ou plutôt, une histoire de mec qui parle comme ça. Il y a un rire qui respire la stabilité financière. Et je crois que ça commence à chauffer. Il est con, Alex. Faut mettre de l'eau sur ça, c'est bouillant. Je viens de me brûler. Et c'est pas une blague. Ça me fait un bien fou. Oh putain, ça fait 20 minutes. Ah, si, commence à faire chaud là-dedans, c'est bon. Ah, et c'est réel le sauna, comment je transpire. Oh, expérience sympathique, mais j'ai l'impression que j'ai tombé dans les pommes. En vrai, c'est franchement gadget, c'est cool là quand t'es comme ça. Oh, j'arrive plus à parler, je suis fou là. Ça me détend à moindre mesure. Donc, peut-être que ça devient supportable une fois que ton compte bancaire atteint un certain seuil. Oh là là. Il est temps pour moi de partir et de rentrer en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mais ne pars pas tout de suite. Et voilà, j'ai perdu tout le monde. Oh le con. Évidemment, si t'es toujours là, c'est-à-dire que je pense que t'as aimé la vidéo. Donc abonne-toi, mets un pouce bleu, c'était hyper cool d'essayer ce concept. Franchement, c'était une super expérience. Merci à tous et bisous bisous.